Drop it. Première sortie officielle à deux pour la reine Elisabeth et Meghan Markle, leur langage corporel décodé. Les choses n'ont pas tardé. Jeudi 14 juin, Meghan Markle a eu l'opportunité de se rendre à son premier engagement officiel, avec la reine Elisabeth II. Rien que toutes les deux. Des experts ont décodé leur langage corporel. En l'absence de son mari, Meghan Markle a dû faire le job. La nouvelle duchesse de Sussex a été embarquée par la reine Elisabeth II pour un engagement officiel à Cheshire. L'épouse du prince Harry portait une élégante robe droite beige et des cols en chair, en accord avec le protocole imposé par la souveraine anglaise. Entre ces deux-là, l'alchimie avait l'air de prendre, ce qui a été vérifié par des experts en langage corporel, interrogés par l'édition américaine de Cosmopolitan. Ils ont observé que l'ex-actrice savait rester en retrait, derrière la reine, ce qui signifiait son respect du protocole. Alors que la reine a une allure confiante, logique pour une femme qui a fait ce travail depuis une éternité, Meghan, pourtant très confiante d'habitude, a l'air un peu plus timide, explique l'experte Judith Jane. Le placement de ses bras un peu maladroit suggère qu'elle est très en admiration de la grand-mère de son mari. Fermez les guillemets. Point. Il relève également qu'elle se touche régulièrement les cheveux, signe de nervosité. Elle est en effet très nerveuse depuis son entrée au sein de la famille royale. Mais surtout, la complicité entre les deux femmes est très visible. Elle multiplie les sourires et les fous rires même. La reine s'amuse énormément, avec Meghan à ses côtés. Fermez les guillemets. La belle trentenaire ne pouvait pas espérer mieux.